Cause en nous, sont outils indispensables qui pral permettre idées positives vini sur toute problématique femme, jeune, acti moun. C'est pral rapprochement tout moun dans secteur payo pour combattre la misère et l'ignorance en Haïti et dans le monde entier. Initiative ça. Normalement, c'est pas premier que moi participer à bien plusieurs. Et déjà, moi je suis avec intérêt toute intervention du ministre. Et vraiment, il y a une intervention qui déjà atterri dans le Nord-Est, pour venir dire. Mais cependant, Nord-Est étant que grenier, c'est férié, c'est grenier du Nord-Est. Pour qui ça a été comme ça? C'est parce que dans le temps, c'est là que tout Nord-Est est venu acheter du riz avec Mali. C'est côté qui va durer en pire. D'ailleurs, il est là, la plaine de Mali-Bao. S'il vous plaît, ministre, non, dialogue, non, débat que ce qu'on s'est fait. Moi, t'as aimé qu'on est qui, moi, et on parle de sous pied pour que l'agriculture dans Nord-Est arrive en réalité. Tout bon, vrai, parce que nous avons la rivière Massacre qui baille entre. Non, en République dominicaine et la République d'Haïti, mais la République dominicaine a capté toute l'eau et ça fait toujours qu'il y a un kiff-kiff entre habitants de la République dominicaine et la République d'Haïti. Alors que c'est nous-mêmes qui gagnons cette gloire à Jean de Nantes. Donc par contre, nous allons prendre un ministre qui sont parmi, qui moi ont parmi les sous-pieds pour que vraiment l'irrigation, a fait 200 pompes d'irrigation, que la première, la palais qui vient déjà atterri, comment nous pouvons faire pour ça devenir une réalité, qui suivi, voilà le mot. Nous avons gagné un poursuivi dans ça, pour ça devenir vraiment une réalité pour habitants dans les choses, pour que nous gagnions ça, que les routes agricoles vraiment. Et en parlant de routes agricoles, gagner quelques petits balais qui commençaient, mais cependant, gagner l'autre instance qui joue un gros rôle sous ça, qui fait que même là, on parle de quota, le gouvernement parle de quota, quota par fin respecté vraiment dans tout pays, surtout dans la zone reculée. Deuxièmement, je voudrais me connaître comment dans le centre de conditionnement de poissons qui atterre déjà dans le nord-ouest, comment on va dans le sud-est, comment nous allons faire pour nous arriver pour que. Même et plus spécialement dans la commune de Ferrier, côté que nous avons la bombe au bœuf qui baille en pile poisson. Merci. Pour le femme, pour toutes mes dames qui sont sous table là, toutes femmes haïtiennes, je dis à nous, c'est 3 avril, c'est le jour national des femmes haïtiennes. Je ne dis pas bonne fête, je dis courage, qu'elle est ferme. Et la question parmi, c'est pour le ministre, c'est pour Major. Ministre, nous donnez toutes choses. Vous comprenez, d'accord. Sauf que là, mesdames, exactement, moi-même, je suis d'accord, je suis pour, parce que c'est une base faite en dehors. Bon, c'est pas péjoratif, hein. Mais moi, attaché avec la caille, culture, la caille, j'ai tout le bagage fait, parce que papa, nous sommes leader politique, même pas seulement leader politique. C'est un monde qui fait tout le bagage. Si les papas me consacrer, papa me planter, les papas me cacher par exemple, il fait jardin mari pour le cacher. Et puis le jeune mari pour le voir dans le monde. Alors c'est pour vous dire. Moi je suis d'accord avec tout ça, ministre. Au contraire, je retire le chapeau devant tout projet ça. Mais ministre, nous avons un problème. Le problème là, c'est l'élevage libre. Par contre, qui politique va mettre en place pour empêcher que l'élevage libre embêter plein de choses. Moi, les mesdames, je pense que vous avez fait ça. Je vais prendre un exemple personnel pour m'étudier la question de l'élevage libre, comment il est nuisible. Nous-mêmes, nous avons près de 6 carreaux de terre, au seul côté de notre plateau central, du côté de Meille à Mianbalay. À chaque fois, une fois, nous avons 500 plants de bananes pour nous mettre dans le souterrain. Nous mettons mango, nous mettons même des plantules. Après 3 mois, nous retournons, nous avons un bœuf avec cabri, tout le bagage, nous marions dans le jardin, nous mangeons tout. Nous essayons,
nous planter dans la zone. Malgré nous des bons gardiens, mais ça ne peut pas empêcher que bœuf avec cabrit et l'autre animal mangent notre milieu. Ça, je suis très sensible avec elle, je suis très pour dire, mesdames, comment vous pouvez faire effort ça, comment vous pouvez protéger le jardin, protéger la semence qui est maintenant en terre pour vous être capable de réussir. Merci. C'est par les premières questions, qui c'est est-ce que ça a zone non? Oui, ils sont réalisés. C'est que, comme vous connaissez, le pays d'Haïti est un pays qui est pauvre. Ça va partir de cette. Que, qui collecte l'eau, qui permet que nous et le travail s'arrête. Cependant, nous dit que je dis la vision que nous avons dégagée et le travail que nous avons fait avec la population et partenaires nous commençons à comprendre la nécessité pour que un ou gens que n'a financé travaux de l'enfer. Et pendant dernier mois ça nous tous peut-être témoins que j'ai fort que au niveau secteur agriculture n'a fait et on va le dire là gagner des statistiques qui sont capables de montrer, je dis, qui contribution secteur agriculture dans la croissance pays pour le premier semestre, ça, c'est grâce à GIFO qu'on a fait dans le secteur. Et force à eux, comme on dit, il traduit une volonté que l'équipe SAGE et le gouvernement matériel à Bordelagé nous changer la réalité. Et c'est ça qui fait que nous avons une bataille pour que le prochain budget ait plus de fonds qui sont alloués à ce secteur pour permettre que nous continuions à faire travailler ça. Deuxièmement, dans le dialogue avec les partenaires, nous dit que il faut qu'il y ait plus capitaux privés qui investissent dans l'agriculture. Parce que assez souvent, nous disons que nous quittons toute bagarre là sur nos paysans, c'est les paysans qui gouvernent encore, c'est les mêmes qui produisent, nous quittons tout sur nous. Donc nous disons que bon bataille que nous avons mené pour que qu'il y ait non seulement un système de crédit qui est mis en place, d'ailleurs nous commençons à démarrer un programme pilote dans l'Antibonite, dans l'Ouest, et en attendant que nous élargissons le programme ça au niveau national, pour nous démarrer un autre système de crédit qui permette que eh bien, nous ayons accès à capitaux pour permettre que nous investissions dans l'agriculture. Et en même temps, tout, chercher des mondes qui peut-être des moyens financiers, mais je ne pense pas que si on a investi moins financier dans l'agriculture, on est capable de rentrer comme ça. Donc, on a établi un dialogue aujourd'hui entre les gens qui ont des moyens financiers et les gens qui ont des têtes et les gens qui ont des forces de travail pour nous mettre la tête ensemble pour que nous vraiment démarrer l'agriculture. Et l'autre aspect que nous avons travaillé sur lui, c'est créer un environnement fiscal qui permettent que nous inciter les gens à produire. Lorsque les pays d'Haïti, eh bien, souvent nous compte que tout le monde préfère faire commerce à l'acheter aux États-Unis, à l'acheter par la République dominicaine, au lieu que nous investissions dans la culture. Eh bien, nous avons même pour que nous mettions en place un cadre permettre que nous protéger les gens qui veulent investir dans la production dans le pays. Pour permettre que y ait plus de gens qui sont intéressés à produire dans le pays. Donc, c'est toute bataille ça, que nous avons menée aujourd'hui qui pour permettre que y ait plus d'investissements faits dans le secteur de la culture. Par rapport à Nord-Est, on dit que
Moi, j'ai découvert Gordes, notamment après que mon cochin qui était à 4 ans pile pistache dans la zone Capotille. Mal Capotille, dans samedi et depuis le mardi, j'ai dans mon équipe avec produits montés en deux Capotille pour commencer à attaquer le problème cochin. Et je suis déplacé pendant que j'ai carnaval les fleurs là, je suis déplacé, je suis fait contact avec notre pays pour permettre que nous devons fonds pour que les travaux soient faits pour nous à la route, pour l'agricole et pour commencer à faire au niveau des départements. En même temps, nous avons travaillé sur le système d'irrigation, plein de Maribao, bon document qui est le plan d'aménagement, plein de Maribao qui est élaboré. Et qu'on a nous pas passer dans l'autre phase, qui est la phase côté, nous pourrions capables de jouer un fonds pour nous capables de démarrer les travaux d'aménagement de la plaine de Maribao, parce que nous connaissons que la plaine a une grande importance pour le pays. Nous pouvons jouer plus pour investir dans le secteur du Rien, dans le Nord-Est, pour permettre que nous augmentions la production agricole dans le Nord-Est. Semaine dernière, nous étions dans le cours du Nord qui se limite entre Nord-Est et Nord. Côté, nous avons même pour que gagner à peu près 2000 hectares de terre pour nous démarrer une plantation de bananes tout de suite à NESA, dans le cours du Nord, côté association de planteurs Terre Rouge, après l'université, et pour nous démarrer tomber fait banane dans bien pour changer la situation. Mais des gens de combat que nous avons vu là-dedans, c'est des combats qui sont difficiles, mais nous ne pouvons pas décourager et nous pensons que si nous continuons comme ça, dans 2 ans, dans 3 ans, eh bien, ça m'a demandé que, un, le ministère de l'Agriculture continue sous même lancée, ça m'a demandé, deux, que nous venons des partenaires qui acceptent d'entrer dans la logique là-dedans, non? Ça m'a demandé que nous-mêmes, association paysanne, association famille, nous mettons ensemble pour permettre que nous atterrissions cher. Par rapport à l'élevage, il y a une bataille que nous avons fait là, c'est une révision code rural. Pour qui ça? C'est parce que, eh bien, code rural là, gagne un ensemble de dispositions légales qui débrouillent, des dispositions sérieuses qui plus encourager l'élevage libre que l'élevage en stabulation. Donc, on y a, nous-mêmes au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons développé un autre modèle d'élevage qui pour en même temps permettre que nous fassions l'élevage, mais en même temps tout pour un ensemble de dispositions à travers la révision code rural là pour permettre que nous contrôlions l'élevage rural. Merci. Ça, c'est une journée importante pour nous permettre que nous montrions que, avec nous, mesdames, qui représentent 52% de la population, nous sommes capables de travailler pour changer le pays. C'est ça que nous disons, nous avons un paquet de gens qui font. Et en même temps, nous pouvons en parler sur qui sont capables de faire ensemble pour nous aider à développer le pays, notamment à travailler pour que le secteur agricole devienne plus développé. C'est donc pour elle, c'est des mesdames qui sont dans tout le département du pays, qui sont dans le nord, nord-est, nord-ouest, sud, sud-est, plateau central, donc nous représentons c'est tout le pays qui l'a. Non seulement dans la campagne boisement que nous avons lancé là, donc mesdames qui ont joué un gros rôle, dans la campagne agricole printemps là, nous mesdames ont joué un gros rôle. Et troisièmement, ils ont mobilisé pour que sensibiliser la population pour mettre dans sa nouvelle relance du secteur agricole là, pour qu'en fin de compte, dans 2-3 ans, nous changions la vie de la au niveau de rencontre ça, pour permettre que mon agenda qui est élaboré et à fonction de l'agenda, le ministère a développé accompagnement pour permettre que nous arrivions à avancer. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Causons-nous, son outil indispensable qui va permettre l'idée positive vini sur toute problématique femme, jeune et timoun. C'est pour le rapprochement tout le monde dans le secteur paillot pour combattre la misère et l'ignorance en Haïti et dans le monde entier. Causons-nous.